On va voir l'aspect de sécurité que Commvault peut amener et puis la façon qu'on a bâti notre solution à l'entour d'un framework de sécurité qu'on va décrire aujourd'hui. Alors, ben, tu sais, je pense que tout le monde ici présent, avec ce qu'on a pu voir dans les nouvelles, dans les jours récents, en fait, je pense que tout le monde va être d'accord pour dire qu'au niveau ransomware et des cybermenaces, ce n'est plus une question de si, mais bel et bien une question de quand est-ce que notre organisation va être frappée par une attaque. Il y a plusieurs études d'experts en sécurité sur le marché qui estiment qu'il y a plus de 65% des organisations en Amérique du Nord qui vont devoir faire face à une situation de ransomware au courant de la prochaine année. Et comme on peut le voir dans les grands titres des médias, bien, les cibles se retrouvent vraiment dans tous les verticaux d'affaires. Toutes les organisations sont réellement à risque. On est à une époque où est-ce que la menace des ransomware ne peut plus être ignorée en prétendant que notre organisation n'est pas une cible intéressante pour des hackers. Tous les types d'organisations de toutes les tailles se font attaquer sur une base quotidienne. On peut voir à l'écran quelques exemples là, qui ont fait les manchettes récemment, tels que la Promutuelle et puis la STM là, ici au Québec. Alors, petit rappel sur la sécurité. Donc, en fait, ce qu'on veut dire ici, c'est vraiment que la menace des ransomware, bien, ça se passe en ce moment. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit et puis prévoir et puis pouvoir bâtir un plan alentour de notre réponse face à une situation comme ça. Puis les répercussions qu'une attaque peut avoir, bien, ça se fait sentir à tous les niveaux d'une organisation, que ce soit en termes de perte de revenus potentiels, perte de confiance de la clientèle, l'atteinte à la réputation de l'organisation, la valorisation boursière pour les compagnies qui sont cotées en bourse. Il peut y avoir des ramifications légales suite à une attaque de rançon logiciel. Et puis, dans certains cas, tels que les hôpitaux ou le domaine de la santé, bien, les conséquences peuvent littéralement devenir une question de vie ou de mort pour les patients. Quand on regarde les statistiques au niveau des attaques de ransomware, on peut se rendre compte que c'est vraiment ahurissant là, comme chiffre. Il y a plus de la moitié des menaces qui proviennent de l'interne. Ce n'est pas toujours par un acteur malveillant, mais très souvent, c'est quelqu'un qui pense qu'il fait la bonne chose et puis qui va laisser entrer par erreur une attaque de ransomware. Il y a 75% des organisations affectées par un ransomware qui ont rapporté qu'il y avait des solutions de protection telles que des antivirus et autres mécanismes qui étaient bien déployés, qui étaient à jour et puis que malgré ça, ils ont tout de même été compromis. Donc, un des plus grands défis avec les ransomware, c'est que ça ne va pas juste s'attaquer à vos données de production. Ils vont aussi tenter de s'attaquer à vos données de sauvegarde. C'est pour cette raison-là que Commvault a implanté un modèle de sécurité au cœur même de sa plateforme pour protéger adéquatement vos données puis vous permettre de vous relever rapidement en cas d'événement. On parle entre autres ici de fonctionnalités telles que l'immuabilité des données, protection des librairies de disques, donc vraiment devenir sécuriser les librairies de disques au niveau de vos copies de sauvegarde, mais aussi des mécanismes de machine learning, d'intelligence artificielle pour monitorer puis identifier le comportement typique d'un ransomware, ce qui va vous permettre de pouvoir isoler la menace puis prendre action proactivement pour limiter les dégâts potentiels d'une attaque. Donc, l'approche de Commvault face à la sécurité, bien, comme le titre de la présentation disait, c'est une approche qui se veut par couche. La meilleure analogie pour expliquer notre approche, c'est un peu de comparer ça avec la sécurité qu'on applique à nos maisons. Donc, tout comme nos environnements de données, les maisons sont différentes dans leur architecture, elles n'ont pas toutes le même nombre de points d'entrée, puis ce n'est pas tous les gens qui ont la même tolérance face au risque. Donc, la sécurité de base d'une maison, bien, c'est de barrer les portes et les fenêtres quand on part. Peut-être qu'en deuxième étape, bien, on va avoir un système d'alarme avec des détecteurs de fumée pour pouvoir vous avertir en cas d'intrusion ou d'incendie. Peut-être que comme prochaine couche, on va aussi avoir un système de caméra qui va nous permettre de pouvoir vérifier à l'intérieur de la maison ce qui se passe quand on est absent. Certaines personnes vont même avoir une étape un peu plus loin, donc avoir un coffre-fort pour protéger les objets et les documents de grande valeur. Puis il y en a d'autres qui amènent ça encore un step plus loin, dans le fait d'avoir un coffret de sûreté à la banque, dans lequel ils vont pouvoir mettre les objets qui ont vraiment une très grande valeur. Et puis comme ça, bien, dans le cas où est-ce que tous les autres mécanismes de sécurité qui ont été mis en place font défaut ou sont compromis, bien, à ce moment-là, en ayant les choses qui sont à l'extérieur de la maison, on vient s'assurer ici qu'elles sont hors d'atteinte s'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre maison. Il y a des principes clés dans cette analogie-là qui s'appliquent à la solution de gestion intelligente des données qui est mise d'avant par Commvault, notamment sécurisée par défaut. Donc, rendre la mise en place des niveaux de sécurité de base le plus facile possible, out of the box, si vous me permettez l'expression. Sécuriser par couche en appliquant des barrières, des points de contrôle supplémentaires. Appliquer un principe de zéro trust, ce qui veut dire de jamais assumer ou prendre pour acquis qu'on est protégé, pardon, et constamment en faire la validation. Toujours monitorer pour pouvoir être proactif puis adapter notre plan de sécurité aux besoins.
Une solution de sécurité, c'est un ensemble d'éléments qui inclut des gens, de l'infrastructure, on-premise ou dans le cloud, peu importe le contexte, et des produits. Comme Vault, bien, on n'est pas une solution de prévention de ransomware, mais on peut faire partie d'un point stratégique de votre stratégie de sécurité. Le rôle qu'on peut jouer, bien, c'est de vous aider à limiter les dégâts en vous permettant d'identifier rapidement un événement de ransomware, puis encore plus important, de pouvoir vous donner la confiance que vous allez être prêt à y faire face et à vous relever rapidement en cas de crise. Alors, ce qu'on voit maintenant à l'écran, c'est le modèle de sécurité de Commvault qui inclut des fonctionnalités, des stratégies, des meilleures pratiques pour vous aider à gérer les risques de cybersécurité, tout en vous assurant que vos données de sauvegarde sont saines et disponibles au moment où vous en avez besoin, à l'endroit où vous en avez besoin également. Ça peut peut-être sembler familier pour certaines personnes qui assistent à la présentation, parce qu'on s'est inspiré effectivement là, des principes du modèle NIST, qui est le National Institute of Security Technologies, qui est un framework qui est très connu et répandu dans l'industrie. Donc, si on regarde en première étape, donc identifier vos données, vos utilisateurs, les besoins, afin de bien pouvoir mitiger les risques pour votre organisation, protéger en appliquant des contrôles de sécurité basés sur les meilleures pratiques, monitorer votre environnement de données pour identifier des comportements anormaux ou des changements inattendus, puis générer des alertes et des actions à prendre, répondre ou agir rapidement face aux menaces de ransomware et faire une validation de vos données de sauvegarde en continu. Et plus important, bien, récupérer rapidement les données pour limiter les temps d'arrêt et les pertes de données potentielles. Donc, maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Jérôme, qui va explorer plus en détail ce que Commvault peut faire pour chacune des étapes de notre modèle de sécurité. Alors, Jérôme. Merci. Donc, comme Eric vient de dire, on va faire le tour des différentes fonctionnalités qui peuvent vous aider, en fait, à respecter ou à faire optimiser votre position par rapport aux cyberattaques en fonction du modèle NIST. Donc, on va passer chacune des étapes du modèle et puis je vais vous montrer quelques fonctionnalités qui s'appliquent bien pour chacune de ces étapes-là. Donc, bien sûr, la première étape, c'est d'identifier les risques, identifier les données et s'assurer qu'elles sont toutes protégées. Pour ce faire, bien sûr, d'avoir une plateforme de sauvegarde de récupération qui supporte toutes vos applications, ainsi d'avoir une seule plateforme qui gère toutes vos sauvegardes de façon centralisée, qui va faciliter la tâche, que ce soit pour du physique, du virtuel ou des infrastructures cloud, de pouvoir vous assurer que vous avez bel et bien protégé et que vos tâches ont été effectuées avec succès à un seul endroit. Bien sûr, cette plateforme-là doit aussi avoir une gestion de la sécurité qui est simple et qui est centralisée avec un système de gestion par rôle qui va être flexible, qui va vous permettre de mieux contrôler les accès. Donc, dans la plateforme Commvault, on a un système de sécurité AAA. Bien sûr, AA fait référence à l'authentification, l'autorisation et les audits. Donc, vous pouvez voir un peu l'authentification comme Eric disait tantôt dans l'analogie de la maison, comme la serrure à la porte ou le code du système d'alarme qui vous permet de déterminer, d'identifier et à qui vous donnez accès à votre système de sauvegarde, puisque ça va être votre dernier rempart contre une cyberattaque. Ça va être la dernière étape, la seule chose qui peut vous sauver si jamais vos données sont compromises. La partie autorisation, qui est plus un peu de définir les rôles de qui a accès, un peu comme de ne pas nécessairement donner la clé, la même clé à toutes les personnes qui rentrent dans votre maison, ou avoir un bureau qui est fermé ou un coffre-fort qui serait sécurisé avec une clé différente pour que, par exemple, vous ayez accès, mais que si vous laissez une clé à votre femme de ménage, elle n'ait pas nécessairement accès à vos systèmes les plus précieux. Finalement, les audits qui seraient un peu plus comme les journaux de votre système d'alarme qui dit qui a activé, désactivé ou vos instruments de vos caméras de surveillance qui vous donnent l'information de ce qui s'est passé par après. Dans la plateforme Commvault, vous avez ces trois fonctionnalités-là bien implantées et avec un maximum de flexibilité. Donc, pour l'authentification, bien sûr, on s'intègre à tous les systèmes d'authentification populaires et moins populaires, l'AD ou autres annuaires basés sur SAML.
On supporte aussi l'authentification deux facteurs built-in dans notre plateforme et aussi si nos annuaires supportent l'authentification deux facteurs, on peut s'intégrer. Built-in dans la plateforme, il y a toute la gestion des authentifications par certificat, que ce soit lors des communications entre les composants de la solution pour s'assurer qu'il n'y a pas d'accès aux composants de la plateforme qui est non autorisée. Nous sommes un gestionnaire des identifiants qui permet de contrôler l'accès aux credentials des composantes pour lesquelles on doit avoir des accès sans devoir exposer ces credentials-là aux employés ou aux opérateurs de la plateforme. Toute la partie autorisation permet la gestion du cryptage des données, de la séparation des rôles, qui a accès à quoi, avec un système RBAC très flexible qui permet de déléguer des tâches à des utilisateurs sans avoir à leur donner le rôle administrateur. On supporte aussi toute la gestion des stockages de type Worm, dont on va parler un peu plus tard. Finalement, les audits, piste d'audit complète avec des outils qui permettent d'analyser ces audits-là et on peut aussi les exporter vers des outils externes via Syslog. Donc, dans le cadre d'identifier les risques, on offre aussi un rapport qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle le Security Assessment, qui vous permet d'avoir un état de situation de votre infrastructure de sauvegarde et de savoir si les configurations de votre environnement sont alignées avec les bonnes pratiques et les recommandations, avec l'état de la situation et les liens vers la documentation sur comment on peut améliorer notre position. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour s'assurer qu'on est aligné avec les bonnes pratiques de sécurité. Si on passe à l'étape de protection, donc maintenant qu'on a identifié nos risques, on veut protéger nos données. Donc, dans le cas de la plateforme Commvault, on a built-in dans notre plateforme des outils pour verrouiller le stockage et s'assurer que les données vont être protégées contre une attaque externe. Donc, il y a uniquement les processus de Commvault qui peuvent aller écrire dans les librairies disques de Commvault via des protections intégrées au système de fichiers. On fait aussi le verrouillage de l'application via la signature de nos exécutables et les bonnes pratiques de développement pour s'assurer que tous nos processus sont renforcés. On supporte aussi des principes de AirGap pour isoler des copies de backup et créer le Virtual Air Gap qui assure qu'on peut créer une deuxième copie qui sera, si jamais tout votre environnement était affecté par une cyberattaque, que cette copie-là puisse survivre à cet événement-là. Finalement, la plateforme inclut tous les outils de validation automatisée pour garantir l'intégrité de vos sauvegardes. Je viens de parler de la fonctionnalité AirGap, donc je vais donner un petit peu plus de détails sur ce sujet-là parce que c'est un sujet très important. En ce moment, beaucoup de gens regardent ce type de solution-là. Donc, l'idée derrière le AirGap, c'est de permettre la création d'un réseau isolé dans lequel on peut déposer une copie de nos sauvegardes. Ce réseau isolé-là peut être complètement inaccessible depuis votre réseau de production, donc d'avoir un pare-feu qui bloque toutes les ports entrants. Et malgré tout, avoir la possibilité d'héberger ou de recevoir une copie à travers les protocoles sécurisés de Commvault. Donc, ça fonctionne un peu comme un pont-levis, si vous voulez, un château sur lequel un pont-levis serait installé au-dessus des douves. Donc, lorsqu'on a besoin de faire entrer les alliés, on peut baisser le pont-levis, laisser entrer les alliés, ensuite refermer le pont. C'est un peu le même principe. Donc, Commvault gère cette topologie-là et fait l'orchestration automatiquement pour ouvrir la communication lorsque nécessaire, uniquement de façon unidirectionnelle et ensuite refermer la communication une fois terminée. L'autre façon très simple de mettre en place le AirGap, c'est via notre service Metallic. Donc, le service Metallic est la même bonne vieille technologie Commvault qui est là depuis 25 ans, mais qui a été mise en place dans une infrastructure pour être offert sous format de service en mode SaaS.
Donc, pour une infrastructure existante qui serait installée on-prem et qui voudrait ajouter une copie AirGap à son environnement, le service Metallic permet cette configuration-là et cette copie-là étant dans l'infrastructure Metallic, elle est intrinsèquement configurée pour fournir ce service de AirGap-là. Donc, on peut voir un peu cette copie-là, l'autre côté du AirGap, un peu comme ce qu'on disait tantôt, le coffre à la banque, si vous voulez. Donc, l'endroit où on stocke nos informations les plus précieuses à l'extérieur de notre environnement et où, si tous les autres systèmes font défaut, bien, cette copie-là peut être réutilisée quand même. C'est extrêmement simple à configurer. Il n'y a aucune infrastructure additionnelle à mettre en place puisque c'est un service SaaS. Donc, une fois qu'on a identifié, qu'on a mis en place les mécanismes de protection, il y a toute la partie surveillance. Donc, on est en opération, on veut s'assurer qu'il y a une surveillance continue de notre environnement de sauvegarde, mais pas seulement de notre environnement de sauvegarde, puisque la plateforme CommVault inclut des outils de surveillance extrêmement puissants. Donc, c'est un peu comme, si vous voulez, dans l'analogie, vos détecteurs de mouvement, de vibrations sur vos vitres ou vos détecteurs de fumée ou vos caméras, etc., qui vont vous permettre de détecter rapidement s'il y a quelque chose qui se passe chez vous, puis de réagir rapidement, envoyer les secours lorsque nécessaire. Donc, dans la surveillance continue, on fait la surveillance, bien sûr, des sauvegardes basées sur un système de machine learning. C'est built-in dans notre plateforme et ça ne nécessite pas d'outils additionnels ou d'infrastructures cloud additionnelles, c'est built-in dans la plateforme. Donc, on peut surveiller les sauvegardes, par exemple, pour les anomalies. Si vos sauvegardes ont une certaine taille habituellement et qu'on dévie de façon importante de la taille habituelle de vos incrémentaux, à ce moment-là, on peut déclencher une alerte, puisque ça peut être une indication que vous avez été attaqué par un ransomware ou qu'il y a eu un événement sur votre environnement. On a aussi des honeypots qui sont déployés automatiquement partout où CommVault déploie un agent, qui sont extrêmement utiles pour rapidement détecter des événements et aussi la surveillance des événements sur chacun des points d'accès où des agents sont installés. Donc, comme je disais, ça facilite la réponse rapide. On a un exemple. L'État du Colorado a eu une attaque, une cyberattaque ransomware, et ils étaient équipés de la plateforme CommVault. Et la plateforme CommVault les a avertis extrêmement tôt de l'événement, donc plus rapidement que tous leurs autres outils antivirus et autres qu'ils avaient déjà mis en place. Donc, ça leur a permis de minimiser les risques et de retourner aux opérations très rapidement. Et si jamais vous voulez plus de détails, le lien YouTube fait partie de la présentation, donc il y a une présentation qui existe là, pour avoir plus de détails. Au niveau de la surveillance, on a aussi des outils plus avancés comme un rapport sur la protection, c'est-à-dire pour protection contre le ransomware, c'est-à-dire que c'est un rapport qui confirme que les configurations optimales n'ont pas été altérées ou modifiées. C'est un rapport qui confirme que si vous avez un environnement distribué dans plein de sites différents, un bout dans votre siège social, un bout dans le cloud, etc., avec ce rapport-là, on peut confirmer que les fonctionnalités de protection contre le ransomware sont bel et bien activées. Puis comme vous pouvez voir, on peut aussi carrément exécuter une commande pour les activer dans le cas où ça ne serait pas le cas. On a aussi des outils de surveillance vraiment, comme je disais tantôt, ça c'est l'exemple de détection d'anomalies, donc le Anomaly Report, qui permet d'avoir, basé sur un système de machine learning, un état de la situation du comportement de votre environnement. Puis basé sur le machine learning, on détermine qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est anormal et on peut à ce moment-là être rapidement alerté sur ce qui se passe. Comme vous pouvez voir en bas, on peut voir qu'on peut analyser l'activité
anormale et on peut déclencher carrément la récupération des données affectées à partir de cette console-là directement. Donc, de façon à réagir très, très, très rapidement plutôt que de se rendre compte une fois que le mal est fait. Pour l'étape suivante, qui est la partie répondre, donc respond. Si malgré tous vos efforts, il est arrivé quand même un événement, une cyberattaque, et vous devez récupérer. Donc, la plateforme comme vôtre vous permet de trouver et d'éliminer les menaces ou les fichiers compromis à l'intérieur de vos backups. Donc, on peut aussi faire la validation des sauvegardes en montant les sauvegardes temporairement dans des environnements isolés qui vous permettent d'analyser ces contenus-là, puis d'en faire l'analyse avant de les récupérer, pour être sûr de ne pas, si vous voulez, récupérer des éléments qui seraient compromis. Finalement, la dernière étape, c'est de le recover. Donc, la récupération rapide est très importante et il faut aussi inclure et penser à la capacité du système de sauvegarde ou de récupération de se relever lui-même, si vous voulez. Donc, la plateforme Comvault offre automatiquement d'intégrer un système de DR qui inclut une copie Live Sync de sa console de gestion. Et cette copie-là peut être dans votre environnement AirGap dont on a parlé tantôt. Donc, ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois un environnement de disaster recovery qui peut vous protéger contre un désastre, on va dire, plus traditionnel, et avoir une copie qui est prête à être opérée dans un contexte de cyberattaque, puisque étant dans votre copie AirGap, ça va vous permettre de vous relever rapidement. On offre aussi la capacité d'uploader les données importantes ou les métadonnées importantes, incluant vos clés de chiffrement, dans le cloud de Comvault, qui va vous permettre, si vous voulez, si comme dans un cas majeur où tout aurait échoué, d'avoir accès à ces informations-là rapidement et de pouvoir travailler avec le support de Comvault pour un recouvrement rapide à partir de ces copies-là. Un autre outil qui est extrêmement important, c'est le Recovery Readiness Report. Donc, c'est un peu comme, si vous voulez, l'ensemble de l'état de votre situation. Le Recovery Readiness Report va baser encore là sur un système de machine learning, analyser chacune de vos clients ou chacune des applications que vous protégez avec Comvault et établir votre position ou votre capacité de vous récupérer. Donc, à savoir, basé sur la performance avec laquelle vous prenez vos sauvegardes, quelles sont les chances que vous êtes en mesure d'atteindre vos objectifs ou vos SLA en cas de récupération, etc. Donc, c'est extrêmement intéressant comme rapport pour bien maîtriser son environnement. Puis, si tout est vert, on est en confiance que si quelque chose arrive, bien, on est en mesure de se récupérer rapidement. Donc, je vais passer la parole à Eric pour la dernière partie. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, les rapports d'analystes sur le marché indiquent que la discussion de la sécurité et des ransomware, c'est une priorité absolue pour la majorité des CISO et CEO cette année. En discutant avec certains ingénieurs de notre groupe de support, ils nous ont fait part qu'on traite entre 7 et 10 appels par semaine de clients qui ont besoin d'aide pour les aider à récupérer leurs données parce qu'ils ont été frappés par un ransomware. Ce qu'ils ont constaté, c'est que c'est vraiment pas tout le monde qui est au même niveau par rapport à leur plan de ce qu'on appelle chez nous « readiness ». Donc, c'est en travaillant avec ces clients-là qu'on a acquis beaucoup d'expérience en termes de réponse puis de recouvrement face au ransomware. Puis on a aussi gagné la confiance de plusieurs organisations pour les aider à bâtir leur stratégie de sécurité et de gestion intelligente des données. On a donc développé une gamme de services de consultation pour aider nos clients qu'on appelle Comvault Readiness Solutions. Donc, qu'est-ce que c'est Comvault Readiness? Qu'est-ce que ça veut dire Comvault Readiness? Donc, ce qu'on appelle chez nous Readiness, ça se définit en trois phases. Donc, il y a la phase Ready ou Prêt qui vise à aligner les capacités techniques de Comvault avec vos objectifs commerciaux. S'assurer que vous êtes prêt à identifier une menace potentielle et à y répondre. Le stade Steady ou Stable,
qui est une assistance en continu ou périodique qui permet de maintenir l'état de la phase ready en suivant l'évolution de vos environnements puis en ajustant les technologies de Commvault pour supporter les changements dans vos environnements. La phase respond ou répondre qui va vous permettre d'identifier les étapes et priorités de recouvrement pour un retour à la normale rapide et limiter les pertes de données potentielles. Mettre en place des workflows pour automatiser la reprise aussi. Donc, on peut donc vous assister dans le développement de votre stratégie avec un niveau d'implication allant de très haut niveau à clé en main, selon votre préférence. Alors, avant de passer à l'étape des services de consultation, bien, comme on le disait plus tôt dans la présentation, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis en place pour faciliter la mise en place des principes de sécurité de base de Commvault. Ça passe entre autres par le Security Health Assessment Report. Puis ce qu'on aimerait proposer pour les clients existants de Commvault, c'est de planifier un appel avec vous afin de passer le rapport sur votre environnement en revue, vous aider à mettre en place certaines fonctionnalités de base qui sont disponibles pour vous aujourd'hui même. Pour ceux qui ne sont pas encore clients Commvault, c'est avec très grand plaisir qu'on pourrait faire une rencontre avec vous aussi, discuter de votre situation actuelle et puis d'aller plus en détail sur la façon que Commvault pourrait vous aider à être prêt à faire face à une menace si ça arrive et puis de voir dans quelle mesure est-ce qu'on sera en mesure de vous ramener rapidement à la normale, donc de reprendre les activités. Donc, en résumé, avec les ransomware et les autres événements de sécurité, ce n'est plus une question de si, mais bel et bien une question de quand ça va arriver. Commvault, on offre une solution qui est intégrée et centralisée, qui contribue grandement à minimiser les risques avec notre approche de sécurité par couche multiple. Puis on a également l'expérience et le savoir-faire pour vous aider à être prêt à faire face à une menace et ramener les choses à la normale le plus rapidement possible. Alors, c'est ce qu'on avait préparé en termes de contenu pour la discussion d'aujourd'hui. Donc, merci de votre attention. Bonjour, merci Eric, merci Jérôme de cette présentation. C'était vraiment très, très intéressant. Écoutez, moi j'ai une question pour vous au niveau de des applications et qui de que vous pouvez supporter au niveau de la granularité, parce que c'est bien beau de faire des copies de sauvegarde, mais est-ce qu'on est capable de récupérer par exemple un seul courriel ou une ligne dans une base de données ou une colonne de spécifique pour un champ spécifique dans une base de données. Alors, si vous voulez juste donner un petit aperçu des applications, des différentes bases de données, différents courriels que vous supportez, puis au niveau de la granularité des récupérations qu'on peut faire. Si tu veux, je peux bien répondre à ça. Oui, vas-y, pas de problème. En fait, la plateforme Commvault est la plateforme qui a le plus large support de plateformes d'applications et de charges de travail sur le marché pour ce qui est des sauvegardes. Donc, pour répondre à votre question, je peux faire une liste exhaustive, là, mais essentiellement, on supporte granulairement ou non tout ce qui est VM sur une dizaine d'hyperviseurs, incluant les hyperviseurs cloud, de tous les clouds populaires et moins populaires. On supporte aussi tous les systèmes de fichiers populaires et moins populaires, incluant le Big Data, les Hadoop et ces variantes-là. Et une très large liste d'applications, là, comme les bases de données, que ce soit les bases de données plus traditionnelles comme Oracle, DB2, MySQL et compagnie, ou les choses un petit peu plus à la pointe, comme dans l'info nuagique, on supporte la protection des applications PaaS comme MongoDB, SQL dans Amazon, dans Azure, ou DocumentDB, ce genre de bases de données en mode SaaS là, qui sont disponibles chez nos fournisseurs. Là, on les supporte pratiquement toutes à l'état actuel. Et puis, pour tout ce qui est les plateformes SaaS, on est de plus en plus aussi intégrés. Donc, tout ce qui est Office 365, complètement granulaire, autant pour le Teams, les conversations, le SharePoint, OneDrive, Exchange, mais aussi d'autres applications cloud comme Microsoft Dynamics, Salesforce et autres plateformes de ce genre. Donc, comme je dis, on est un peu aux deux extrêmes et tout ça de façon granulaire pour les bases de données. Pour la majorité du temps, on est capable de le faire par table
Et pour tout ce qui est VM, fichier, application, cloud, SaaS, on peut y aller par objet unique. Donc, extrêmement flexible. Lorsqu'on parle de virtualisation, aussi, une facette à ne pas oublier aussi, c'est qu'au niveau des containers, donc tout ce qui est Kubernetes, là aussi, on a vraiment un très, très grand support là, de tout ce qui est standardisé via alentour de Kubernetes. On le protège aussi de façon granulaire. Là. On n'est pas obligé de restaurer l'entièreté. On peut y aller vraiment de façon granulaire aussi là, avec Kubernetes. Donc, vraiment, plus large couverture technologique de l'industrie, la granularité, la flexibilité de choisir comment vous voulez protéger les choses pour que ça soit protégé adéquatement, parce que l'objectif ultime, c'est vraiment de rencontrer les besoins de recouvrement. Alors, en protégeant de la bonne façon, on s'assure ainsi d'aller chercher les SLA qu'on a besoin. Okay, c'était ma deuxième question sur les containers. Prochaine question, au niveau du, on parlait du air gap, vous avez, si on fait une copie locale, notre deuxième copie, on va la mettre dans le cloud, on va la mettre sur tape, on va, qu'est-ce que vous recommandez? Ou la beauté avec Commvault, c'est qu'on supporte toutes ces combinaisons-là. Donc, on peut s'adapter à votre besoin en fonction de ce qui est le plus efficace pour vous. Si dans votre environnement, vous devez avoir des copies tape, il n'y a pas de problème, on supporte ça. J'avoue que c'est de moins en moins populaire. On peut avoir des copies air gap sur disque, sur différents types de technologies. Donc, ça peut être votre propre stockage, le stockage que j'avais choisi ou une solution fournie par Commvault qui s'appelle Hyperscale. Et vous pouvez choisir aussi d'aller dans le cloud, donc le cloud de votre choix, le type de stockage de votre choix. On supporte tous les tiers de stockage de tous les fournisseurs cloud, donc que ce soit là, du stockage à chaud ou du stockage de type archive qui est extrêmement peu cher. Et puis, on peut mettre en place ce gap-là dans toutes les combinaisons, si vous voulez. Donc, extrêmement flexible, facile à mettre en place aussi. Sans oublier notre propre solution de storage, de cloud storage dans Metallic, donc Metallic Cloud Storage Services, qui va nous permettre aussi d'avoir ce air gap-là virtuel par défaut, étant donné que c'est complètement déconnecté de l'environnement de production. Donc, on a la possibilité de pouvoir faire la copie secondaire vers ça. Donc, tu sais, on le voit de plus en plus, il y a de plus en plus d'intérêt pour externaliser vraiment ces données-là, puis s'assurer qu'elle est isolée et qu'elle est vraiment air gapée par rapport à nos autres copies. Parfait. Merci beaucoup. Écoute, j'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez un commentaire de fin ou quelque chose que vous voulez dire pour pour ajouter quelques détails sur la solution Metallic, puisque dans cette présentation-là, on n'est pas allé vraiment en détail. Mais la solution Metallic est la solution SaaS, comme je disais tantôt, de Commvault. Et elle supporte la protection de presque tous les charges de travail qui sont supportés par Commvault, donc que ce soit des charges de travail on-prem ou cloud, incluant Office 365, Dynamics, Salesforce. Un client pourrait être à 100% dans Metallic en mode SaaS. Un client pourrait être 100% on-prem avec le Commvault traditionnel. Et on supporte aussi le mode hybride, donc une implantation où on aurait une partie dans Metallic et une partie dans Commvault, mais gérée par une seule console centralisée est aussi possible. C'est quelque chose qu'on voit aussi de plus en plus avec les clients, même les clients existants. Donc, lorsqu'on va parler de leur migration vers Office 365, très, très souvent, on va voir que, bon, pour tout ce qui est des workloads on-premise, l'installation de Commvault qui est là va se charger de faire la protection de ça, d'acheminer les copies. Puis, lorsqu'on va regarder l'application SaaS comme Office 365, bien, les clients vont avoir tendance à se tourner vers le service Metallic parce que, bon, c'est une solution qui est simple à déployer, pas d'infrastructure à gérer. Et puis, ça comprend une rétention, puis une capacité de données qui est illimitée à même le service Metallic, hautement sécurisé, encore une fois, air-gappé. Donc, l'installation hybride, comme Jérôme le mentionnait, là, c'est quelque chose qu'on voit aussi très, très souvent. Et les données sont hébergées au Canada? Tout à fait. D'accord. Alors, merci beaucoup. Écoutez, je réitère l'invitation qu'Éric a faite plus tôt. Si vous êtes client de Commvault ou si vous n'êtes pas client de Commvault, si vous voulez avoir une présentation, une démo ou un document d'assessment pour regarder comment Commvault peut vous aider, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir.
Merci.